Bonjour, mon nom est Guy Légère et je suis résident de la région de Saint-Jean depuis 1996. Ce soir, j'ai un message très important pour ceux d'entre vous dont vos enfants sont à la garderie, vos enfants sont étudiants ici au centre scolaire Samuel de Champlain, ou si vous êtes impliqués dans les vingtaines d'organismes francophones que nous avons qui circulent aux alentours de l'ARCEF, ou si vous participez au groupe sportif, l'association sportive ici de la région de Saint-Jean en français. Vous savez que la raison que vous pouvez participer à ces activités-là, c'est grâce au dévouement de plusieurs personnes qui ont travaillé très dur durant les 30 dernières années. Ces personnes-là ont travaillé pour assurer que notre présence de la culture francophone ici à Saint-Jean soit aussi importante qu'elle l'est maintenant. Et pour célébrer le dévouement et l'engagement de toutes ces personnes-là, j'ai une grande nouvelle, un spectacle qui aura lieu le 24 avril, 19h30, ici même, dans notre beau théâtre Louis Vermeche. Et ce spectacle va comprendre plusieurs aspects, plusieurs variétés, mais les artistes que vous reconnaîtrez sûrement sont Danny Boudreau, le groupe Tradition, le groupe D'ici, Élie Robichaud, Poilo et Philippe, la famille Babineau, la troupe de danse Marée Dansante. Donc tous ces gens-là vont être impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce beau gala qui va être organisé pour le 24, suivi d'un gros party à la cafétéria avec le groupe Tradition et le groupe D'ici. C'est un secret. Je ne pouvais pas vous le dire, mais je vais vous en glisser un mot. Rodney me disait que ça allait être bien meilleur encore que le spectacle qu'on a eu pour la radio Choc et le spectacle du 20e anniversaire. J'étais là pour les deux spectacles. Super bonne soirée. Alors, ça va être éblouissant, le spectacle du 24. Comment on va faire pour dépasser ces deux soirées-là?